Tranquille quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a vu hier soir dans la nuit? Lionel Messi qui continue à faire vaciller les joueurs de manière internationale. Vous avez vu? Vous vous rendez compte de son niveau lorsqu'il porte le maillot de l'Argentine? Oh là là, il nous fait regretter amèrement son départ du Paris Saint-Germain. On se rend compte à quel point, à 36 ans, il est toujours capable de faire des dingueries absolument monumentales à des pères de famille. Oh là là, Lionel Messi, sache que tu vas nous manquer au Paris Saint-Germain. Tu es un grand joueur. Tu as fait une saison absolument stratosphérique, même si sur les objectifs, tu nous as absolument servi à rien du tout. Parce que gagner seulement le championnat, ça, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Là, tu as tout gagné. Absolument tout. Et on voit qu'à 36 ans, tu continues. Qu'est-ce qu'il y a? Tu détestes le Paris Saint-Germain à un tel point que dès que tu quittes le Paris Saint-Germain, tu recommences tes prouesses absolument majestueuses. Hein? Tu nous as menti. Tu as fait semblant de baisser ton niveau au Paris Saint-Germain pour ensuite, dès que tu portes le maillot de l'Argentine ou un autre maillot, tu retrouves tes sensations. Tu retrouves tes dribbles. Impossible de te prendre le ballon. Lionel Messi vient encore de marquer avec l'Argentine. Nous, on pensait qu'il allait être un petit peu dans le down après avoir quitté le grand club du Paris Saint-Germain. Mais on voit que pour lui, le Paris Saint-Germain n'est pas du tout un grand club. Là, on le sent. Sinon, jamais il se serait comporté comme il s'est comporté. Est-ce que Lionel Messi a déjà fait ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, au FC Barcelone? Depuis qu'il est né là-bas, là, dans les vestiaires du FC Barcelone, est-ce qu'il s'est déjà comporté comme il a fait au Paris Saint-Germain? Jamais. Jamais. Même avec l'Argentine. À un moment, il a quitté la sélection, puis il est revenu. Il n'a jamais fait ça avec le FC Barcelone. Regardez ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Regardez maintenant ce qu'il fait sur le terrain. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, Lionel Messi, t'es un bel escroc. Donc là, l'UFC Barcelone nous a envoyé un cheval de Troie. Et comme vous avez pu le constater, c'est absolument la débandade, la débauche actuellement au Paris Saint-Germain. On a Kylian Mbappé qui commence à nous expliquer que c'est sa dernière saison qui va jamais prolonger. Donc, on ne sait pas comment on va faire. On a des joueurs qui devraient arriver. On a Ugarte qui vient de signer. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est comme toutes les recrues? Quand ils sont dans leur club, là où on dit, oh là là, le crack, il faut qu'il vienne à Paris. Et dès qu'il vient, il nous montre ses fesses. On ne sait pas. En tout cas, Lionel Messi prouve encore une fois que c'est le meilleur du monde. Hein, peu importe l'âge qu'il a, le mec, il continue à dribbler comme s'il avait 21 ans. Force.